YouTube, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous nous retrouvons sur notre champ. Enfin, on a le droit de l'utiliser. Ils en font rien, on a le droit de l'utiliser, on a mis du blé. Il faut attendre 3 jours dans le jeu, vraiment, sans passer le temps. Donc il faut jouer 3 jours. Du coup, on va jouer, hein. Et on... Oui, j'ai dit, on a mis du blé dessus, voilà. Parce que la dernière fois, on a fait les quêtes liées à l'école. Du coup, on a eu droit au... à l'exclusivité du petit chien qui est ici. Et comme on n'a jamais de blé, qu'on trouve jamais de blé, mis à part quand on va l'acheter, voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est... Du coup... On a dit grande source de l'anel. Là, je vais... Nord-ouest. Barrage nord-ouest. Celui-là. Celui-là, pardon. Il y a des gens qui sont... On n'y est jamais allé dans celui-là. Chelou. On va pas s'emmerder, on va y aller. Et puis, la tour. On n'est jamais allé sur le... Oui, on n'avait pas à y aller cette fois-ci. On est passé par derrière. Par la pointe du risque tout. Donc forcément. Ouais. Mais ouais. Alors. Donc, oui, il y a le bouboule ici. Celle-ci, elle était facile d'accès. Hein. Voilà, merci. On va mettre la tenue de vol. Hop là, on va essayer de ne pas se prendre la bouboule. On a tiré qui? Ah, lui là-bas. Hop là. Oh, c'est vrai, il y a... On peut dormir ici. Gratuitement. Par contre, pour se restaurer... Je sais plus s'il y avait un... Non, il n'y en a pas. Attendez. 30 secondes. Je crois que j'ai vu du bleu. Hein. Ouais. Donc, on a la bonne adresse. On a déjà la bonne adresse. Oh, Link. Grâce à vous, le lac du barrage de l'Est a retrouvé toute sa splendeur. C'est si beau. Non mais en fait, c'est tout le domaine qui a retrouvé toute sa splendeur. Mais c'est pas grave. C'est si beau que je n'ai pas pu résister à une petite brasse. Et figurez-vous qu'en nageant, j'ai trouvé des pierres sublimes. Voyez-vous la grotte là-bas? Les pierres bleues s'y trouvent... Qui s'y trouvent, pardon? Je dis... Sont d'une qualité impressionnante. Le problème, c'est qu'elles sont aussi extrêmement lourdes. J'ai essayé d'en sortir une à la nage, mais j'ai coulé comme une pierre. C'est le cas de le dire. Impossible de la remonter. Ah! Le pire? C'est qu'il me suffirait d'une seule de ces pierres pour m'atteler à la restauration du parc Mipha.
En plus. Alors, la tenue des eaux. C'est une perche à max? Non, c'est une dorade. Merde, je l'ai fait fuir. Je l'ai fait fuir. Bon, c'était peut-être pas la bonne idée d'y aller à la nage, mais c'est pas grave. Vais-je avoir assez de... Ouais, ça devrait aller. Truite, 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 truite. Petite truite, non! J'ai accéléré! Il n'y a pas nage silencieuse, hein. Ça n'existe pas. Mais du coup, j'ai fait la conne, faut qu'on prenne un peu d'énergie. Et il pleut. Donc j'espère qu'il y aura quelque chose quand même dans la grotte en elle-même. Pour transporter genre un radeau, un truc dans le genre. Qui? Raté. Bon. Alors. Je ne vois pas trace de la pierre qui est censée être tombée. Que j'ai un arc sur moi, oui. Merci. Tiens, il est où mon géant? Il n'y arrive pas à passer. Mon géant n'arrive pas à passer. On n'a pas de combat de prévu. Juste saphir et topaz. Oh. Opale. Même pas un petit silex. Vas-y, c'est là maintenant que tu passes. Donc. Ce sont les fameuses pierres bleues. Va te faire un petit lot quand même, hein, on n'est pas des monstres. Voilà. J'en laisse deux au cas où. Mais en fait, il semblerait... Aïe. Toi, tu vas pas dans l'eau, hein. Ouais. Pas dans l'eau. Pourtant, je fais du bruit. Donc, on n'a aucun truc sonao dans le coin. Là non plus. Désolée, c'est plus fort que moi. C'est pour en avoir mis l'écouter. Non, j'ai mieux. Du coup, est-ce que j'ai des trucs qui flottent, moi? Avant toute chose. Sauvegarde.
Convoyeur. Planeur. Glisseur. Artefact sonore à face intérieure parfaitement lisse, limitant la friction au strict minimum, conçu pour servir de véhicule aussi bien dans les sables que dans les prairies. Ça flotte, oui. Ça flotouille. Bah, pile poil. Il aurait peut-être fallu mettre plus, mais c'est pas grave. Je sais pas si ça va marcher. Et on peut toujours essayer. Oh. Un petit problème. Voilà. Ça marche! Écoutez, on sent ça. On sent ça. Ah. Petit problème. Le virage était un peu rude. Ce qui est bien, c'est que du coup, avec Mixture, on a la. On a notre trajectoire. Zut et rezut. Ah, c'est le temps qui se retourne, d'accord.
Cette pierre. Mais oui, c'est la pierre qu'il me faut. Elle est pour qui, la jolie pierre? Pour moi, j'en ai ramené un 4, hein, mais bon. Ah, pardon. Je me suis un peu emballée. Trop d'émotions. Dites-moi, c'est vous qui avez transporté cette lourde pierre jusqu'ici? Mais grâce à vous, je vais pouvoir m'atteler à la restauration du parc Mipha. En guise de remerciement, laissez-moi vous donner ceci, Link. Ce tissu d'une grande finesse, décoré du blason des auras. Sur ce, je vais me mettre en route pour commencer les travaux de restauration sans tarder. Ah, Link, vous m'avez vraiment rendu un immense service. Merci pour tout. De rien. Il y en a pris une au hasard. Ah, mais il y avait des trucs là, j'avais pas vu. Tant pis. Écoutez, écoutez. Ça l'a pas fait. D'accord. Donc, ça c'est fait. C'était pierre bleue. Hop là. Maintenant. Non, c'est une mauvaise fenêtre. Le fort du plateau de Jarpu. Grand pont de l'Est. C'est celui-là. Écoutez, vous êtes intimidant, monsieur Sidon. Elle est où la sortie? Elle est là. Oups. Oups, oups. J'étais attirée par la couleur. Ah! Octavien, Maître Link, vous avez sauvé notre domaine et nous ne vous en serons jamais assez reconnaissants. Malheureusement, si la vase a disparu, la région n'a pas retrouvé la paix pour autant. Quel est le problème? Des monstres ont construit un fort au-delà du lac du barrage de l'Est, au nord-est du plateau de Jarbu. Ils ont profité du chaos causé par la vase. Ils fourbent. Ouais, je sais, le début de la phrase, j'ai dit un peu trop calme. Quand les cheveux vont dans les lunettes. Difficile de démêler le vrai du faux en cette époque troublée, mais une rumeur dit qu'un Ilien aurait été capturé. On ne peut pas rester les bras croisés. Le domaine pourrait tout à fait être pris pour cible à l'avenir. Il faut qu'on trouve un plan avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, le plan, c'est moi. On est toujours sur le potager. D'ailleurs, minuit 35, on va dire que ça fait un jour. Ça fait un jour. Wouh, c'est loin. Ça, c'est un peu bas. De quoi dessus? Rien du tout. Merci. Il y a ça. Ou sinon, on peut se servir du truc de là. Bonne idée. C'est de l'autre côté. Pardon, je me suis mise sur la mauvaise carte. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Nous, on va pas s'emmerder.
peut, hein. Ah. Si, là, on peut. Là, on peut pas, pardon. Là, on peut. Pas. Attendez! Attendez. Il a failli. Il a failli. Mais je ne me suis pas laissé avoir. C'est bon, j'ai compris. Je vais le monter à pied. Là-haut. Là-haut, 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 là-haut encore. Donc, maintenant, maintenant. Attendez, on va se reposer un petit peu avant de plonger. Ça aurait fait mal qu'on soit à ça de la cascade. Et que non, non, mais t'as pas assez d'énergie. Voilà. Là. Et du coup... Ah, je vois, ouais. Effectivement. Il est assez clair d'où est ce... En fait... Je les révoque parce que sinon ils vont sauter sur les autres monstres et ils vont gâcher mon effet de surprise. Alors, où je peux rentrer? Oh. C'est un petit merde de ça. Hop, effet surprise, ils sont là. C'est combien le masque? 2, on va garder 6, hein. Et là, 4. Ah mince, des sons. C'était son arc. Alors les autres, ils sont en train de dormir. Alors on a quoi? Ouf. Est-ce que le mieux, ce serait pas de se charger du gros chef Boko? Ça va les intriguer.
Moi, je l'espère, je l'espère, hein. C'est épique, hein, c'est très épique. Eh, quand même, ils arrivent à me le descendre, hein. Deuxième bleu tué. Ah, ils vont me le tuer avant. Oh, il a réussi à tuer le... Bon, j'ai l'impression que c'est fini là. Je vois pourquoi il n'arrivait pas à le descendre là-bas. Ah merde, mes compos! J'ai quoi? De la merde. On a quand même ça. Merde, putain. Des flèches. Merde, en plus c'est grande solidité. Attends. Ah, c'est un gourdin, merde. Aouh! Arrêtez! Quoi là-dedans? De l'ombre. Attendez, je vérifie comme ça. Non. L'oncle Bézora. Voilà, ça c'est fait. Bâton noueux, c'est ma lance. Il y a une flèche dessus. Voilà. Espadon de voyageur. Grande. Ah oui, grande. Pourquoi grande masse? C'est parce qu'il y a un caillou. Ce que j'ai récupéré. Attendez.
Mon gourdin là. Mais non. Oh. J'ai déjà. Ok. Ça vaut combien le grand gourdin? 7. C'est de la merde. Attendez, on va plutôt faire ça comme ça. 7. Et ça vaut 16. 16 en plus durabilité plus plus. Ça c'est bien. Le noueux. Attends, je vais vérifier. Ah oh, putain, il y a un bouclier de linelle qu'on n'a pas eu. Moi je cherche le noueux. Là, on est au niveau des lances. Baguette magie. Bâton. Ah voilà. Solide. Bâton noueux. 14. Il est où le grand de solidité? Espadon de soldat. Oups. Ça, c'est une main, ça. Ouais, ça se voit. Une main. Attendez. Grand moment, Gaspadon, nanana. On cherche. Qu'il est. Parce que ça, oui, ça c'est juste un gourdin solide. Ça c'est un bâton noueux. Ça. Ok. J'ai compris. Gourdin solide, du coup, c'est. Là, on est au niveau des arcs. Espadon. Hop. Gourdin solide là. 7. Et notre bâton noueux. On avait dit 14. On avait quoi aussi qui traînait? De hache, épée de soldat, l'épée de soldat, soldat 9. Ouais donc oui, on est là-dessus. Tout ça pour ça, oui, effectivement. Ouais, non. Non mais viens. On prend une photo. Ouais, aïe, ça fait mal. Mais il y en a un aussi à l'extérieur. Est-ce que ça fait partie de la horde? Vas-y. Arrive à me toucher d'ici. Je les ai vus un peu trop tard. Après avoir sauté, plus exactement.
Et du coup, il y a le petit sentinelle de dehors. Ah, mais tu peux toujours, hein. Merci. C'est toujours le même truc de merde. Oui. Et du coup, j'ai récupéré un arc de merde aussi. C'est les mêmes? Oui. Arc à pointe boko. En plus, ça tire pas droit, ces trucs-là. C'est horrible. Du coup, alors. Merde, j'ai récupéré le... On va quand même vérifier là-haut qu'il ne reste rien. Sait-on jamais. Alors. Des trucs qui explosent. Oh, il y avait... D'accord, j'étais pas obligée de faire le tour. Mais par contre, là, c'est assez dangereux, non? Pour protéger. Micro leur feu. Cristal de sel. Merci, c'est génial. Il y a plein de trucs qui brillent là-dedans. Ah, j'ai vu une autre plateforme. Oh. C'est que... Ah, c'est que des trucs grillés, d'accord. Bon, je sais pas si c'est très consommable, mais... mais c'est la plateforme d'où je viens, en fait. Un tapon de boco. Oui, c'est la plateforme d'où je viens. Fais pas chier. Ce qu'on va faire, c'est... Ah, je sais pas si ça a vraiment explosé. Là, c'est sûr, ça a explosé. Voilà. Il y a des flèches là qui s'en vont. Il y a juste des petites flèches de merde. Ouais. J'arrive, hein, j'arrive. Perche grillée. Flèche, flèche, flèche. Il n'y avait rien. Cabrier. Elle a disparu l'arme qui était là? Ah, c'est parce qu'elles sont retournées là? Ouais, bref. Tabaga! Sauvée, enfin! J'ai bien cru que personne ne viendrait me chercher. Comment je me suis retrouvée ici? C'est une longue histoire. Tout commence avec la lune de sang, ce phénomène étrange, tristement célèbre. Difficile de dire quand exactement, mais certaines nuits, quelle que soit la phase lunaire, une pleine lune rouge se lève. Mais on s'en fout ça, lorsque minuit sonne, le ciel se couvre et vire au pourpre. Mais c'est pas celui qui nous avait déjà parlé de la lune de sang dans BOTW? Et soudain, tous les monstres vaincus se relèvent, réanimés par la lune de sang. Mmh. Alors, j'étudie le phénomène dans l'espoir de mieux le comprendre. Un jour. Oh oui, un jour, j'éluciderai ce mystère. Pourquoi les monstres sont-ils réanimés à chaque lune de sang?
quel est le lien qui les unit ? Pour le savoir, j'ai décidé d'observer les monstres et leurs comportements. Cela me semblait être un bon point de départ. Mais ils m'ont rapidement repéré et me sont tombés dessus avant que je ne puisse m'enfuir. Voilà pour toi. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, si, j'insiste. Mais c'est toujours pas assez. Tiens, prends aussi cela. Attends, il avait plein de bouffe sur lui et les mecs, ils l'ont pas dépouillé. D'accord. Je respecte, mais quand même. Non, ma reconnaissance envers toi est bien plus grande que ça. Prends ça aussi. Ce soir, c'est la nouvelle lune. N'aie pas peur de te montrer, ma belle aînée Égérie. Je ne doute pas que nous nous reverrons. Pour l'heure, séparons-nous avant d'être repérés par un monstre. Ouais, en fait, il me laisse là. Il m'abandonne. Pardon. Faut qu'on aille rendre la quête. Faut pas oublier de rendre la quête. Pam 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 pam. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce qu'on a déjà photographié une corne de chef bocaux d'argent? Écoutez, on va tout de suite vérifier. Alors, on en a déjà eu une, visiblement. La troule main, c'est une fosse. Croc de chef bocaux. Je crois que ça, ça ne se photographie pas. Voilà, exactement. Donc, on cherche. Ça, c'est gigatracien. Fou, inox. Linel, argent. Trop gobelin noir. On a que linel argent là. Ah oui, on avait tout dépensé, c'est vrai. Trop gobelin, moblin d'argent, moblin bleu. Ouais, parce que ça, c'est les briseuses, celle-ci. Ouais. Ah oui, non, on a blanc et argent, pardon. Griok, ongle d'inox. Et oui, là, on est sur les affilés. Du coup, il y en a. Celle qui tranche. Bleu. Fosse d'argent. Chef, beaucoup d'argent. Ouais, ouais, on a déjà pris en photo. Noir. Chef, beaucoup bleu. Ce qu'on a pas, c'est chef beaucoup classique, je crois. Alors. Beaucoup bine d'argent. Ouais, on n'a pas chef beaucoup classique. Alors, on va trouver un chef beaucoup classique. Là, on a quoi ? Corne de golem. Commandant. Ah, on n'a pas au-dessus. Après, ça, c'est les affilés. Je sais pas si c'est aussi rangé par affilé. Ok, c'est que des affilés, les cornes de golem. C'est que des trucs tranchants. Effectivement, on n'a pas au-dessus de commandant. Est-ce qu'on a le spécimen en lui-même en photo au-dessus de commandant ? Je crois pas. Hein. Où sont mes golems? Là. Colonel. Non, on l'a juste pris en photo de loin. Ouais, effectivement, on l'a pas. Mais on l'a jamais combattu. On voit rien de celui-là, mais c'est. C'est pas grave. C'est vrai qu'on a toujours pas photographié les Yiga classiques. Bref, on va rendre la quête. J'ai rien laissé. Non, c'est bon.
Oh, c'est considéré dans le domaine, ça? Nul! Nul! On est à combien d'ailleurs? 45 minutes. Ça va! Un peu trop tard. Maître Link, concernant ce fort que les monstres ont construit, j'ai réussi à rassembler suffisamment de soldats pour lancer une expédition punitive. Nous allons les réduire en bouillie. J'en ai les nageoires qui frémissent d'émotion. Je m'en suis déjà occupée. Quoi? Vous voulez dire que vous les avez vaincus tout seul? Bah avec l'aide de quelques fleurs confusion. Mais oui, principalement, oui. Oh, très impressionnant, Maître Link. J'ai rassemblé des troupes et je me suis préparée toute la nuit. J'ai fait ça tout seul. Bon, n'y pensons plus. Le domaine n'est plus en danger. C'est tout ce qui importe. Je vous en prie, acceptez ceci en guise de remerciement. Oh merci, enfin de l'argent. J'avais préparé cette somme d'argent en vue de l'attaque, mais il ne reste plus rien à faire. Elle est pour vous, en récompense de votre bravoure, Maître Link. Il faut vite que j'aille raconter que la menace est écartée. Merci, Octavier. Alors, le fort. Voilà. 45 minutes. 47 minutes. Oh, on va se laisser là, hein, YouTube. Vous en pensez quoi? Allez, je vais être gentil. On va vérifier notre champ. Là. On va vérifier ensemble notre champ. Ça va pas prendre longtemps. Ça devrait aller. Vous en pensez quoi? On fait ça? Vous avez pas le choix, mais c'est pas grave. Alors. Ouais. Hey. Bon, on a niqué une fée, par contre. Elle est toujours pas revenue la pomme que j'ai prise la dernière fois. Regardez-moi ça! Ça a poussé! Il n'y en a pas beaucoup, hein. T'aurais pu en mettre plus, hein. Poussez bien! Bon bah. Sur ce. Attendez, je voulais laisser la musique. Sur ce, YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, même partager la vidéo. Vous pouvez aussi, bien entendu, venir nous rejoindre sur Twitch, ainsi que suivre cette chaîne Twitch et sur tous les réseaux, les autres réseaux sociaux, Discord, X et Insta. J'ai tout dit. Il pleut encore sur le jeu, mais c'est pas grave, ça va faire pousser nos plantes. À très bientôt. Bye bye.